Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment obtenir le plus rapidement possible les prochains stuff exotiques lors de la sortie du DLC du 19 mai. Donc vous allez voir, c'est de la logique, c'est une évidence. Bien évidemment, c'est quelque chose qui pourrait éventuellement être patché à l'avenir, quoique j'imagine difficilement une méthode pour le corriger. Vous allez voir, c'est très très simple. Donc en l'occurrence, vous savez probablement tous déjà que le 19 mai prochain, le guide à la tour va vous permettre d'échanger vos éclats d'ascension, vos énergies contre des lumens, voire des particules de lumière. Et en l'occurrence, que vend Xur? Il vend des engrammes exotiques contre des particules de lumière. Vous l'aurez compris, l'idée est donc de stocker un maximum de particules de lumière, de faire par exemple correspondre vos 300 éclats d'ascension contre un maximum de particules de lumière, et puis d'aller tranquillement attendre l'arrivée de Xur le vendredi afin d'échanger ces dernières contre un maximum d'engrammes exotiques. Donc bien évidemment, il vous faudra attendre chaque week-end pour avoir un engramme différent. L'avantage, c'est que vous pourrez avoir par exemple la totalité des gants pour tous les personnages que vous souhaitez, à condition d'avoir énormément de particules de lumière dans votre stock. Autre avantage, vous allez donc pouvoir démanteler de l'engramme exotique à foison, ce qui va faire énormément monter vos rangs de cryptarques. Deux avantages en un, en l'occurrence pour cette petite technique. Voilà, c'est tout. J'espère que vous pourrez faire le plein de tous vos stuffs exotiques pour ce prochain DLC. Donc, petit conseil, jusqu'à l'arrivée le 19 mai de ce fameux Maison des Loups, gardez bien vos éclats d'ascension et autres matériaux spéciaux. N'hésitez pas, comme toujours, à faire tourner cette vidéo, à la partager, à la liker pour qu'un maximum de personnes soient au courant de cette petite technique avant l'arrivée du DLC. Gros bisous tout le monde et bon week-end à tous !